waka o ye dali waka za one yere ka ona me digbe mi o ko su gbaka o. Voilà, on a décidé de faire une surprise. On est venu passer le journée avec toi, on s'est permis. Comme on sait que ta porte est tout le temps ouverte. Bonjour, petit déjeuner avec caméra, ça c'est pas possible. Non, c'est pas bien grave. Ah, chercher la télé, puis tu te caches. Mais la surprise, c'est toi. On va profiter de leur petit déjeuner, on va s'installer avec eux. N'est-ce pas, Nadine? Voilà. Merci beaucoup de nous recevoir à ta table. Mais on a rien. C'est le côté charmant de l'émission en fait. On a les cartons de split, des magazines. Non, c'est pas et bien là, grave. Tu vois aussi qu'il n'y a que deux tasses. Deux tasses. Deux tasses pour monsieur et madame. Et monsieur et madame. Ils sont là et ça, comme il y a toujours à manger chez nous. Voilà. Donc on va leur. Non, je savais que madame Gagui, vraiment les gens n'ont pas menti. Attendez, hein. Les ondis n'ont pas menti. Hein. Là, on est en train de marcher, là. On ne ressort pas comme ça. Gagui disait, il a, c'est un peu le réflexe du Parisien qui restait un peu sur lui. Voilà, oh, madame, elle est africaine. C'est la bonne africaine. Voilà. Quand il y en a pour deux, il y en a pour plusieurs. Bon, comme c'est mon ami de longtemps. Ok, donc. Voilà, je vais chercher. Longtemps, c'est lancé des défis de mariage. Tout à fait. Ça, je vais raconter la petite histoire, madame, tout à l'heure. À part la scène, c'est des personnes qui vivent normalement comme nous. Et c'est dans ce cadre que nous allons passer cette journée en compagnie de Gadi Célie Saint-Joseph. Nous allons l'accompagner un peu partout où il ira à ses rendez-vous. Vous allez constater, c'est une surprise, mais on se permet de rentrer de plein pied dans son intimité. Et voilà, nous sommes là avec toi pour toute la journée. Mais ça va être difficile. Parce que mes journées ont toujours été difficiles. Mais pour une surprise, je crois que c'est une surprise. Vous avez toutes mes félicitations. Merci. Le caméraman, il a du mal à me saluer. Madame, je vais faire une bise, mais comme madame est là, bon. Oui. Ah ben, la sympathie. Ouais, ça, c'est le portable de Gadji. Il faut dire, ça, c'est comme portable, c'est le portable de madame. Ah oui. Voilà. Tout est artistique, même la sonnerie. Allô? 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 Réseau? Allô? Allô? Peut-être c'est un garçon qui pense que c'est. Il devait parler à une femme. Chérie, viens prendre ton portable. Viens, s'il te plaît. Oui, monsieur. Oui, vous parlez à son mari, monsieur. Je ne comprends pas, il a foutu. Non, c'est le réseau. Le ventre commence à sortir. Ouais, ça commence à sortir. Hein. Ça commence sinon, depuis qu'on connaît Gadji, n'a jamais oui, été. Oui, c'est vrai. En fait, c'est parce qu'il a une bonne santé, il ne fume pas, il ne boit pas. Voilà. Donc, déjà. Tu as dit tout à l'heure ce que j'étais en matière de comportement, mais tu n'as pas dit en matière de mari. Voilà. Tu sais, les gens ont pensé que quand même. Mais tu es un bon mari. Ah, tu es bon, voilà. Dis. Je suis une femme comblée. La femme parce que il sait, mais je ne sais pas si c'est femme le comblée. Si c'est le caractère des, des artistes ou des bêtés, mais il sait. Madame, vous avez décidé de venir me surprendre. Oui. Laissez-vous surprendre. D'accord. C'est bon. Mais Gagi, là, c'est grave parce que là, ce n'est pas seulement les hommes, même les animaux. Ouais, j'ai des fans. C'est une affaire. Hein? Ok, vous prenez. Ah. Viens, allez, suivez-moi là-bas. Belle. Allez-y. Belle. Ça suffit. Hein? Mais on va sortir parce que là, moi, je suis habillé là. Hein? Bon, les gens s'attendaient à un costume. Oui, mais justement.
le président de ton fan club disait, il a commencé à t'admirer, ta façon de t'habiller, tout ça. Mais beaucoup de téléspectateurs aussi comprennent, bon, ne comprennent pas, mais ici, aujourd'hui, il était. Tout de suite, quand on va dans ici, c'est quelqu'un qui était bien mis, costume, bien. Attends, est-ce que l'habillement est très très important pour toi? À force d'avoir porté le maillot, les shorts, d'avoir porté nos cuisses et nos muscles, hein? Les petits t-shirts, et les bras, tu vois, quand Cameroun vient jouer contre vous, vous voyez, ouais. Body, ils sont musclés comme ça. Tu fais ça pendant 25 ans, après tu as envie de t'habiller. Voilà. Voilà. Alors moi, en tant que quelqu'un qui a été choisi par ses pairs, par ses amis, pour les représenter, je ne pouvais pas, après cette carrière de footballeur, revenir, faire des dreads